Bonjour, bonsoir, je me présente. Sia, Clémentine Juliette à l'état civil. Je suis de la région de l'Ouest d'Issia. Ma mère est Niamboa et mon père est de Lobré. Il s'appelle Sia Jules. Il a été lieutenant dans l'armée française à côté du général de Gaulle pendant 30 ans. Aujourd'hui, si vous me voyez sur Facebook, je n'ai pas l'habitude de Facebook. Et ce n'est pas les trucs qui m'intéressent. Parce que Facebook, ça distrait. Et aujourd'hui, je suis tombé sur un article que mes enfants m'ont donné. Le journal s'appelle Sport Mania, où ils ont mis le nom de ma fille avec son mari, Max Alain Gradel. Je suis la belle-mère de Max Alain Gradel. D'abord, j'étais la femme de Dikaïdiadé, fille de Dikaïdiadé, et on s'est séparés après la naissance de ma fille, qui est Boubouli Sia Kanel. On s'est séparés quand il est rentré à Abidjan. Et par la grâce de Dieu, j'ai croisé encore le père de mes quatre autres enfants, qui est Boabri Yoro-Gervais, qui est pasteur. Lui au moins, on s'est séparés. Si je rentre dans ce détail, c'est pour ne pas que les gens disent, parce que les gens veulent savoir la vérité. Et dans la vie, la vérité est bonne. Ma fille s'est mariée avec Max Alain Gradet en 2007. Elle venait de finir l'université. Et lui a demandé la main. On a fait sa dot et ils se sont mariés à l'Esta en 2008. En 2008, 2009, 2012, ils ont eu leur première fille qui s'appelle Eliana Gradel. Et on a toujours commencé à prier. Max, je ne le prends pas pour mon beau-fils, je le prends pour mon fils. Parce que c'est le fils que Dieu m'a envoyé. Quand vous allez fouiller les journaux, vous n'allez jamais voir mon nom quelque part. Je suis effacé. Quand ta fille se marie, tu fléchis les genoux et tu pries toujours pour ton foyer. Quand elle marie, elle tape à ta porte. C'est comment j'ai toujours prié. Est-ce que vous comprenez, les enfants? Et en 2015, ma fille est tombée enceinte d'Emmanuel le garçon. Et c'est là qu'ils ont eu la Coupe d'Afrique. Quand il a eu la Coupe d'Afrique, on a tous prié. Même les pasteurs m'ont soutenu et on a prié pour cette Coupe d'Afrique. Et Max, même, on l'a converti. Il y a le pasteur Luc de Succès qui est à Londres, qui l'a baptisé, qui a prié pour lui et il s'est baptisé, s'est donné à Dieu. En plus, j'ai eu les pasteurs qui ont prié pour lui, pasteur Douo Michel qui est à Londres, pasteur Kwame qui m'a soutenu, pasteur Aouna Konan d'Abidjan et le prophète Oscar Diomandé et beaucoup de pasteurs, pasteur Samuel que je n'oublie pas au passage. Et si j'ai oublié d'autres qui me pardonnent, on a prié pour lui, pour qu'il monte. Vous savez, avec Dieu, on peut tout avoir. On a prié pour cet enfant, pour qu'il arrive où il est arrivé. Mais dès qu'ils ont eu la Coupe du monde d'Afrique, sorry, et il est tombé sur une jeune fille mariée, comme tout jeune, du coup, il partait doter cette fille au mari. En temps, ma fille était enceinte. Il appelle sa femme, qui est ma fille, pour dire que je vais être doté une deuxième femme. Je vous dis la vérité, elle a failli mourir. Elle a failli mourir. Heureusement, sa petite soeur était à côté d'elle, qui s'appelle Marie-Christine Boisbri. Si elle n'était pas là pour lui donner le verre d'eau, elle mourait. Ton mari t'appelle pour dire que ça va être doté une deuxième femme. C'est comme ça que les troubles ont commencé à venir. Quand c'est venu, je n'ai pas voulu faire des tapages. C'est vrai, beaucoup m'ont dit, il faut le faire à soi. Non. J'ai commencé à prier Dieu. J'ai commencé à prier Dieu. À prier Dieu, à prier pour que Dieu puisse restaurer le foyer. Du coup, j'apprends que les deux ont commencé à divorcer. Parce que ma fille était traumatisée. Je vous dis, quand quelqu'un, à qui tu as fait confiance, ton mari de jeunesse, à qui tu as fait confiance, tu dis, il ne veut plus de toi, tu es comme ça. Tu es comme ça, tu es comme cela. Sans même penser, toute la famille qui est derrière,
C'est déplorable. Donc, les deux ont lancé le divorce, mais j'ai toujours prié pour que je dise ce que Dieu a uni, personne ne peut désunir. J'ai commencé à prier parce que j'ai foi en mon Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Vous voyez, Dieu tient le monde dans la main. Il a posé le monde sur les piliers. C'est lui qui tient le monde, c'est lui qui décide. C'est lui qui sait pourquoi nous sommes sur cette terre. La terre que nous sommes là, nous sommes du passage. Les richesses que vous voyez là, c'est les deux passages qu'on va laisser. Et j'ai toujours commencé à intercéder. Un jour, je regarde sur les avant de m'avoir, ils disent que sur le Facebook, le divorce a été prononcé et qu'ils sont séparés depuis 2015. Je ratifie qu'ils sont connus en 2007. On les a presque élevés ce couple-là. Je ne dis pas que c'est à cause de moi, Max est là, mais c'est à cause du Seigneur. On a prié, parce que quand il connaissait ma fille, il était à l'académie de Bonmouf. Après, Bonmouf a vendu à l'Estat. L'Estat l'a vendu à Lide, Lide l'a vendu à Saint-Étienne. C'est comme ça, par nos biais, on a commencé à prier et il est rentré dans les éléphants. Aujourd'hui, voilà la situation. Voici la situation. Je ne peux pas en vouloir à qui que ce soit. Je pense que c'est la volonté de Dieu. Mais je vous dis que ma fille a souffert. Si elle dit qu'elle n'a pas souffert, j'ai menti. Mais où je vous parle là, à cause du Seigneur, Dieu l'a restaurée. Elle est au zéro. Et les enfants vont à l'école. Ils se portent bien. Tout le monde était restauré. Moi-même, dans ma vie, j'ai eu 5 enfants. La première, c'est Canel. L'ex-femme maintenant de Max Gradel. Deuxième, c'est Pamela Christelle. Troisième, c'est Marie-Christine Boisblé. Quatrième, c'est Esaïe Boisblé. Cinquième, c'est Jordan Sia Boisblé. Et j'ai 3 petits-enfants. Eliane Gradel, Emmanuel Gradel et Diane Sia Boisblé. Je suis venu devant les caméras pour rectifier ce que les gens ont dit. Vous voyez, quand un problème tombe, ne criez pas sur les toits. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux partout. Je ne suis pas là pour piquer qui que ce soit. N'allez pas sur les réseaux sociaux pour vous insulter. Prenez vos genoux pour fléchir les genoux et prier à Dieu. Si je suis devant les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu mal de l'article. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce n'est pas parce que ma fille même va aller retirer Mike ou Mike va venir chercher ma fille. Non, c'est Dieu qui sait. Parce qu'il voit tout. Il voit une fourmi noire dans le noir sur une pierre noire. Et c'est Dieu qui sait la vérité. On dit Jean 8:32. Tu connaîtras la vérité et t'affranchiras. Quand tu connais la vérité, elle te rend libre. Et dans Jean 15, verset 16, Jésus dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que votre fruit, et que vous portez les fruits, et votre fruit demeure éternellement. C'est parce que Jésus nous a choisis que je n'ai pas voulu faire les tapages. Quand tu as un choix de Dieu, tu n'as pas su les réseaux de Dieu. Oui, il a laissé ma fille, il a dit qu'il m'a laissé. Non. Tu t'effaces. À cause du Dieu d'Israël, tous ceux qui m'approchent, ont été fleurissants. Dikaï n'a jamais sorti de 10 quand il m'a connu. Et son premier 10 a sorti. Quand ça a été assorti, j'ai été persécuté. Mais perd son âme. Max n'était pas professionnel. Quand il a approché ma fille par nos prières, il a été professionnel. Il nous jette comme on n'a jamais fait. Si Max même a eu la Coupe d'Afrique en 2015, il pourrait me présenter aux gens. Voici ma belle-mère qui a été toujours maman. Elle a prié pour moi. Mais jamais, j'ai été effacée de tout. Ma fille ne s'est jamais fait connaître. Parce que quelqu'un ne t'a pas invité, tu ne peux pas aller là-bas. On ne sait même pas où il partait. Aujourd'hui, c'est les Maliens qui sont en train de enjoy. Mais je ne vous dis pas ça, les Ivoiriens, pour que ça soulève vos cœurs. Au contraire, quand quelqu'un te pique, tu le laisses faire. Tu ne te venges pas. Parce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tout ce que nous on fait, c'est de prier. Un jour, comme Joseph dans la Bible, Dieu nous donnera pourquoi il nous envoie sur la terre. Il nous élèvera comme lui veut. Pour ne pas commander Dieu, c'est Dieu
qui est le souverain, quand il t'envoie sur la terre, là, marche comme il veut que tu marches. Un jour, tu auras gain de cause. Mais seulement, reste en prière, reste dans la méditation de la parole, reste en jeûne et prière, et reste en prière, intercède, prie pour tes enfants, parce que le monde va mal. C'est pourquoi, étant une servante de Dieu, une sœur de l'Assemblée de Dieu, de Londres, sous Pasteur Kwame, je touche toujours en prière, en intercession. Sans oublier, je salue aussi l'évangéliste Dominique, qui a été mon premier père spirituel. Et je suis toujours en prière, en intercession. Toujours. Je dis, un jour Dieu fera. Je salue la population. Je salue la Côte d'Ivoire. Je salue tous ceux qui m'ont soutenu de près et de loin. Si je n'ai pas, j'ai oublié le nom des autres, je demande pardon. Je salue ma mère qui est prise pour moi. Je salue même Max Alain Gradel, qui est mon fils, qui reste. Un fils ne se sépare pas de sa mère. C'est le fils que Dieu m'a donné. Je salue sa famille. Je salue le monde entier. Et je salue la parole de Dieu, qui est la vie. Bien-aimés, restez toujours accrochés à Dieu. Et n'en voulez pas aux gens. Ne jugez pas les religions. Parce que Jésus dit, c'est lui qui nous a choisis. Si les gens ne sont pas chrétiens, c'est parce que Jésus ne les a pas choisis. Mais ils sont créés à l'image de Dieu. On ne les lance pas à la fleur. Non, lui, il est bouddhiste. Non, non, tout le monde est enfant de Dieu. Nous que Jésus a choisi, faisons ce que Jésus nous dit de faire. Parce qu'au dernier jugement, tu seras seul devant le trône de Dieu. Tu n'iras pas à ta femme. Tu n'iras pas à tes enfants. Et il te dira, mon fils ou ma fille, qu'est-ce que tu as fait de mon œuvre? Est-ce que tu as dit non, celui-ci a dit non. Tu as fait quoi de mon œuvre sur la terre? Est-ce que tu as parlé de moi? C'est ce que Dieu va nous demander. Reste dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la vérité. Mais ceux qui ne sont pas dedans, ne les jugez pas. Au contraire, priez pour eux, pour qu'ils viennent à la lumière qui est Christ. Parce que pour aller vers le Père, c'est Christ seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, si tu n'as pas Christ dans ta vie, je te prie, rentre dans ta chambre et appelle Jésus, je vais te connaître. Il va apparaître, il va te parler. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est à cause de Jésus que j'ai eu des célébrités dans ma famille. Dika est un célèbre. Et je sais qu'il connaît Dieu. Parce que son nom là, vous dites Dieu embêté. Et Max Alain Gradin a été célèbre à cause de Dieu qui est dans ma vie. Donc tous ceux qui me côtoient ont Dieu dans leur vie. Restez avec le Seigneur. C'est le meilleur chemin. C'est la meilleure vérité et c'est la meilleure vie. Et sa parole. Tout est dans la parole. Tout. Et la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Je vous salue dans le nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.